Good morning, everybody, and welcome to this session. Opening session for the course on trade, gender, trade, and development. The opening is a joint opening of the two sessions, the French-speaking session and the English-speaking session, but later on the courses will take place in parallel. And I'll switch to French. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. C'est juste pour voir si nos écouteurs marchent bien, si notre interprète fait son travail. Donc, vous souhaitez la bienvenue et vous féliciter d'avoir été sélectionné pour ce cours. Pour nous, c'est un cours important, d'une façon générale, parce qu'il associe des sujets qui nous semblent aujourd'hui des priorités pour le continent africain, qui sont les questions de genre et les questions de commerce. Les questions de genre sont des questions qui sont en filigrane dans la plupart de nos programmes. Je disais donc que les questions de genre étaient des questions qui étaient pour nous des questions transversales et que nous les intégrions dans la mesure du possible, bien évidemment, dans les cours où ils ont une pertinence particulière. Et il nous semble important de pouvoir analyser un certain nombre de nos politiques, de nos programmes, de nos plans, également selon le point de vue du genre, et voir comment le genre peut influer sur la manière d'appréhender les questions de développement au niveau de nos pays. Le deuxième sujet est celui, je disais donc, du commerce. Et aujourd'hui, plus que jamais, depuis notamment le sommet de Niamey, nos pays sont appelés à redoubler d'efforts pour que leur entrée dans la zone de libre-échange commercial soit une entrée effective, une entrée qui maximise les chances de réussite et les chances de succès. Un certain nombre de décideurs se sont posé des questions sur la manière de réussir cette entrée dans la zone de libre-échange et son impact sur les revenus des pays, sur leur croissance, sur leur capacité à créer des emplois. Et donc, il faut aujourd'hui que nous puissions leur proposer des analyses qui leur permettent de maximiser justement ces chances, de maximiser les revenus, de créer autant d'opportunités d'emploi que possible. Et ceci est d'autant plus important quand on parle des questions de genre et qu'on regarde les questions d'emploi au féminin. On se rend compte que au niveau de nos pays, hein, je veux dire, ça ce n'est un secret pour personne, l'emploi, les femmes ont moins d'opportunités, beaucoup moins d'opportunités d'accès à l'emploi et surtout à, je dirais, l'emploi formel du fait que aujourd'hui, même si elles sont très actives, elles le sont souvent dans des domaines informels. Et donc, ce sont ce genre de situations que il faut que nous adressions également pour arriver réellement à tirer le plus grand profit des questions de commerce qui... nous allons regarder ces questions de genre et de commerce pour le développement avec toute une équipe pédagogique dont la plupart des membres se retrouvent, qui nous ont déjà fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous dans des sessions précédentes. Je voulais les remercier de s'associer encore une fois à ce cours.
Je voulais également dire que ce cours est une collaboration interne au niveau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à laquelle appartient l'IDEP, puisque c'est une collaboration entre le Centre africain des politiques commerciales et l'Institut pour le développement économique et la planification. Je dirais que ce cours devient un cours récurrent, étant donné les demandes et les attentes de nos pays dans ces domaines-là. Et je suis ravie de cette collaboration de la possibilité que nous avons ensemble de pousser un sujet qui est primordial pour le développement de notre continent. Vous aurez l'occasion de voir ce sujet sous plusieurs angles. Nous aurons également l'occasion pour les deux groupes de nous retrouver lors d'une table ronde. Ce sera jeudi, lors d'une table ronde jeudi, donc où nous discuterons de manière plus détaillée un certain nombre de questions relatives au sujet qui nous réunit. Donc je ne vais pas en dire plus, je vais juste vous réitérer mes remerciements pour la confiance que vous placez en l'IDEP et vous remercier de votre présence. Vous remercier de votre présence et vous souhaiter une bonne semaine parmi nous. Je vous remercie de votre attention et je vais à présent donner la parole à votre directeur de cours. Now, please. Merci beaucoup, Madame la Directrice. D'abord, merci aux participants et félicitations pour avoir été sélectionnés pour ce cours que j'ai l'honneur et le privilège de diriger depuis sa création. C'était en 2016, je crois. Et je réitère encore ma reconnaissance à l'IDEP et à sa direction pour la confiance qu'il me témoigne. Ça fait plus de 25 ans maintenant que je travaille sur les questions de genre sur le plan technique. Mais je suis d'abord une militante des droits des femmes et de l'égalité de genre. Et donc c'est pour moi réellement un privilège de pouvoir accompagner l'IDEP dans cet engagement très fort qu'il a pris en faveur de la prise en compte des questions de genre dans nos politiques de développement et surtout dans nos politiques commerciales qui vont déterminer dans une grande mesure l'avenir du continent africain. Et donc, je ne vais pas parler plus longtemps parce que vous allez beaucoup m'entendre. Déjà, vous allez m'entendre pendant la première session d'introduction. Et je vais ensuite intervenir très souvent pendant les cours, même quand je ne suis pas la principale intervenante. Donc, je voulais vous prévenir, mais c'est mon rôle d'intervenir. Donc, encore bienvenue et à tout à l'heure. Bienvenue encore une fois parmi nous et je vais à présent donner également la parole au représentant du Centre africain pour les politiques commerciales, donc qui nous vient d'Addis Abeba. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous, félicitations donc encore une fois pour avoir été sélectionné pour ce cours. Donc, je suis Guillaume du Centre africain pour les politiques commerciales, qui est une section de la division de l'intégration régionale et du commerce de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique basée à Addis Abeba. Pour commencer, je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue à cette troisième édition du cours sur le genre, le commerce et le développement, qui cette année a été possible grâce au concours financier de l'Union européenne. Je souhaite remercier tous les collègues, l'équipe pédagogique, commençant par Madame la directrice de cours, les formateurs qui ne sont pas tous là, mais ceux qui manquent à l'appel seront là demain. Je voulais également remercier l'IDEP pour leur soutien administratif et logistique,
en particulier Madame Khan et Madame Ndiaye, dont l'assistance a été précieuse pour nous réunir tous dans cette salle aujourd'hui. Je ne vais pas parler plus longtemps de la raison pour laquelle les questions de commerce et genre sont importantes. Madame la directrice en a dit beaucoup déjà. Vous allez entendre l'équipe pédagogique toute la semaine à ce sujet-là. Cependant, j'aimerais dire un mot ou deux sur les attentes de ce cours. Vous allez voir que les questions de genre concernent toutes les dimensions de la vie sociale, parce que les questions de genre donc, reflètent la sensibilité culturelle du contexte spécifique dans lequel les institutions sociales, dont les normes culturelles, l'arsenal juridique, mais également les politiques publiques, ont été élaborées. Et les politiques commerciales tombent évidemment dans ce type d'institutions sociales qui reflètent la place de l'homme et de la femme dans la préconception du monde qu'ont les sociétés qui ont adopté ces institutions sociales. Donc sans plus tarder, je voudrais faire un tour de table pour que tout le monde puisse se présenter. Avant, je vais nommer l'équipe pédagogique pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Donc je vais commencer par ma gauche. Vous avez à gauche Madame Diallo. Bonjour, je m'appelle Aissatou Diallo. Dans la vie de tous les jours, je suis enseignante en intelligence économique dans une école de commerce de Dakar. Merci beaucoup. Bienvenue à Dakar aussi. Madame Baya. Good morning everyone. My name is Nadira Bayat and I'm the gender and trade consultant with ECA, responsible for gender mainstreaming in AFCA national implementation strategies. And very pleased to be here. Thanks. Madame la directrice de cours, Madame Randriyama. Qui s'est déjà présentée. Et Madame Morgan n'est pas avec nous encore aujourd'hui, mais elle sera là demain. Et Madame Dior, qui arrivera cet après-midi.